Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre palette de couleurs et de leur place sur le cercle chromatique. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de euh, vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé dès que j'ajouterai une nouvelle vidéo. On me pose beaucoup de questions sur la couleur et c'est vrai que le mélange des couleurs, c'est la principale difficulté euh, que rencontrent les artistes peintres, les débutants euh, en peinture. C'est vraiment ce qui est le plus redondant, ce qui fait que la peinture est plus difficile, c'est le mélange des couleurs. Et justement, parmi les questions qui m'ont été posées sur la couleur, on m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une couleur, euh, la couleur de la palette, la couleur de, du sortie du tube, pour la positionner sur le cercle chromatique. Où est-ce qu'elle va se situer sur le cercle chromatique, cette couleur-là, lorsque ce n'est pas une couleur primaire, secondaire ou tertiaire alors je vais tenter de répondre à cette question. Je vais vous montrer ça en image, mais juste avant, euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, télécharger un guide justement sur la couleur, sur le mélange de couleurs, de six fiches guides en PDF. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître euh, nos couleurs, euh, connaître leur place, leur position? Euh, sur le cercle chromatique, lorsqu'il ne s'agit pas d'une couleur primaire, secondaire ou tertiaire, parce que lorsqu'on va la positionner sur le cercle chromatique, ça va nous aider à trouver sa complémentaire, et le fait de connaître sa complémentaire, ça va nous aider beaucoup dans le mélange des couleurs. Alors on va voir tout ça tout de suite, on va s'en aller eh bien, sur ma palette, je vais vous montrer ça, avec euh, ma palette de couleurs. Alors tout d'abord, euh, on va revoir un petit peu la base tout simplement. Euh, les couleurs primaires, ce sont euh, le jaune, le rouge ou le magenta. Jaune primaire, magenta et le cyan, le bleu cyan. On retrouve ici sur la roue des couleurs le jaune, le rouge et le bleu. Ça, ce sont les primaires. Lorsqu'on mélange de primaires, donc le jaune et le rouge, on a l'orange. Lorsqu'on mélange le jaune et le bleu, on a le vert. Et lorsqu'on mélange le bleu et le rouge, on a le violet. Alors, peut-être que les couleurs ne paraissent pas exactes sur votre écran, mais c'est vraiment un violet, je le vois ici. Il est très foncé. Mais c'est un violet comme on l'a ici, voilà. Voyez. Donc, les secondaires, c'est l'orange, le vert et le violet. Après ça, il y a un troisième rang qui s'appelle les tertiaires. Si on mélange euh, le jaune et le vert, on a le jaune verdâtre. Si on mélange le vert et le bleu, on a le vert bleuté. Si on mélange le bleu et le violet, on a le bleu violacé. Le violet et le rouge, on a le rouge violacé. Si on mélange le rouge et l'orange, on a le rouge orangé. Et si on mélange l'orange et le jaune, on a le jaune orangé. On retrouve ces couleurs tertiaires ici. Le jaune orangé, le jaune verdâtre, le bleu verdâtre, le bleu violet, le rouge violet, le rouge orangé. Vous voyez, les couleurs tertiaires sont ici. Et à tout ceci pourrait s'ajouter un quatrième rang, donc une rangée de couleurs supplémentaires, par exemple en mélangeant le vert et le jaune verdâtre. En mélangeant le vert et le jaune bleu et le vert bleuté, en mélangeant le vert bleuté et le bleu, etc. etc. Ok. Si je mélange le vert et le jaune verdâtre, que j'ai euh, donc euh, un jaune, euh, jaune verdâtre, finalement, que je le mélange encore avec du vert, et eh bien je vais avoir un jaune, jaune, verdâtre, vert. Voyez et je pourrais ajouter 5, 6, 7, 8, 10, euh, à l'infini des rangs supplémentaires de mélange de couleurs, jusqu'à ce qu'obtenir vraiment... Euh, Quelque chose de très très lisse au niveau des, des changements de couleurs, on ne les verrait quasiment plus. Ça serait des dégradés finalement. Donc vous voyez, ça va à l'infini. De ce côté-là, on parle de, des couleurs, mais un jaune-orangé restera un jaune-orangé. Mélangé à du jaune, ça devient un jaune-jaune-orangé. Avec plus de jaune, ça devient un jaune-jaune-orangé, etc., etc. Mais dans tout ça, il n'y a pas toutes les couleurs qu'on retrouve dans les tubes. Par exemple, tous les bruns, les jaunes de Naples, les, les ocres, les, les siennes brûlées, les terres d'ombre naturelle, ils ne sont pas là. Et pour les obtenir, à ces couleurs-là, il va falloir ajouter soit du blanc, soit du noir. Et là, on va pouvoir retrouver nos couleurs euh, du sorties du tube dans un, un cercle chromatique qu'on pourrait faire en trois dimensions, c'est-à-dire ces couleurs-là, les augmenter de blanc en montant et les augmenter de noir, en descendant, on se retrouverait avec ce qu'on appelle l'arbre de Munsell, qui est un cercle chromatique en trois dimensions avec l'ajout de blanc et de noir. C'est bon Donc là, c'est simple. Mais vu qu'on n'a pas le blanc le noir mélangés nos couleurs, et qu'on ne sait pas vraiment où se trouveront nos couleurs pour l'instant sur le cercle chromatique, il y a un moyen de le voir, il y a un moyen de, de, de pouvoir les positionner. Et c'est très important de savoir, par exemple, si mon bleu que j'ai dans mon tube, il est plutôt vers le bleu euh, le ciel le, le bleu de base ou plutôt vers un bleu verdâtre ou plutôt vers un bleu violacé ou est-ce qu'il serait plutôt un violacé bleuté un violet bleuté qu'un bleu violet voyez est-ce qu'il serait plus entre ces deux ou entre ces deux etc c'est ça qui est un petit peu difficile à, à voir et à apprécier et on va voir ça tout de suite je vais commencer avec une palette de couleurs très très simple Bon, ici, j'ai le jaune primaire. Bon, ça sert à rien de le mettre, mais bon, c'est le jaune primaire. Il est là, voilà. Alors, vous voyez que ça, c'est le, le jaune primaire chez PBO. Ça, c'est le jaune primaire chez Golden. Alors, déjà, on n'a pas la même couleur. Ici, j'ai un rouge naftol de chez Golden. Après, je vais vous montrer ça avec une palette beaucoup plus large. Et là, c'est une palette très limitée. Ça serait comme un petit peu la palette que j'utilise moi lorsque je fais de la peinture. Ma palette de base, on va dire. Ça, c'était le cramoisie d'Alizarine. Ici, j'ai le bleu phtalo, euh, pardon, le vert talo, euh, nuance de bleu. Vert phtalo, nuance de bleu, parce qu'il existe aussi avec la nuance de rouge, euh, de jaune, pardon, excusez, là. <laughs> c'est le, le bleu phtalo qui existe en nuance de vert et nuance de rouge. Voilà, ça, c'est le bleu phtalo, nuance de vert. Et je vais rajouter... Je ferme mon tube, c'est de l'acrylique, alors je ferme mes tubes. Je vais rajouter de la sienne brûlée pour voir un petit peu où se situerait ce brun. Je vais le mettre ici sur la roue des couleurs. Oh, ici, vous voyez le sienne brûlée, je l'ai dans l'Arteza. La bon, alors prenons par exemple mon jaune euh, primaire. Vous voyez ce jaune primaire là, il est moins orangé que celui-là. Donc il se situerait, vu qu'il est moins orangé, il ne se situe pas vers l'orange, mais il va se situer un peu plus vers le vert. On viendrait le mettre un petit peu plus entre ces deux couleurs-là, vous voyez. Donc on peut considérer que ce jaune primaire-là est plus froid que celui que j'avais mis ici de chez PBO. Ce rouge, allez, on y va avec le rouge naftol clair. Alors par rapport au magenta, oui, le magenta il paraît très euh, rosé quand même. Hein? Alors, si je prends cette roue des couleurs, attention, c'est plus pareil. Là, vraiment, mon jaune primaire, vous voyez euh, Je vous dirais que le jaune primaire de chez PBO ressemble à du jaune orangé sur mon roue, ma roue des couleurs. Tandis que mon jaune primaire de chez Golden est vraiment le jaune primaire que j'ai ici sur mon cercle chromatique. Vous voyez. Voilà, donc maintenant mon rouge naphtol ici, je le situerai plutôt entre le rouge et le rouge orangé. Si on considère, vous voyez aussi là euh, chez PBO, le, le, le magenta est beaucoup trop rose. Mon rouge naphtol, vous voyez, il est un tout petit peu plus orangé que le rouge primaire. Donc il ne s'en irait pas du tout par rapport au rouge vers le violet, mais plutôt vers l'orangé. Mon rouge naphtol, c'est un rouge très très légèrement euh, orangé, mais voilà ouais, très légèrement. Le cramoisi d'alizarine, oh, il est très foncé, je vais devoir l'étendre pour qu'on le voit mieux. Puis, par rapport au cycle chromatique je vais le situer entre le rouge et le rouge violet vous voyez voilà, parce qu'il est un petit peu légèrement violacé parce que je ne peux pas le placer entre le rouge et le rouge orangé donc il s'en va vers le violet ici mon vert phtalo euh, nuance de bleu il ressemble vraiment beaucoup au bleu verdâtre. Ici, ça serait à peu près l'équivalent à celui-là. Disons entre les deux. Il serait entre le bleu verdâtre et le vert. Voilà. Entre le vert et le bleu verdâtre. Donc il porte bien son nom quand il s'appelle bleu phtalo nuance de vert. Ici, j'ai le bleu outre-mer. Euh, pardon, excusez-moi. Le bleu phtalo euh, nuance de vert. Ah, là, j'ai un vert phtalo nuance de bleu. Puis là, j'ai un bleu phtalo, nuance de vert. Donc, par rapport au bleu primaire, au cyan, il va se situer un petit peu plus vers le vert, très très peu. Vous voyez, ça serait un, un bleu, bleu, bleu verdâtre, légèrement verdâtre. Vous voyez, c'est moins. C'est entre ces deux-là. Maintenant, nous allons voir la sienne brûlée. C'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. La terre de sienne brûlée de chez Arteza. Où est-ce que je vais placer tout ça, vu que c'est marron? Eh bien les marrons vont être parfois plus jaunes et parfois plus rouges. Je vais l'étendre un petit peu. Peut-être même sur un petit bout de papier. Il faudrait mieux l'avoir comme ceci. Voilà. Je pensais que le papier lui donnait dans la transparence, mais pas trop. Alors, on se retrouve avec un, un orangé, finalement un brun, vous voyez, qui va se situer. Je vais y aller vraiment plus avec le couteau. Alors, par rapport à l'orange, je vais l'étendre ici. Il est un petit peu plus rougeâtre. Si je l'étends un petit peu, je le vois sur une surface avec de la transparence. Il est un petit peu plus rougeâtre. Que l'orange, il faudrait le situer en, un petit peu, très très peu vers le rouge, si vous voulez, entre l'orange et le rouge orangé, entre les deux, et on va le retrouver à ce moment-là dans cette catégorie-là. Donc, si on cherche ça complémentaire, ça sera le bleu, très légèrement euh, verdâtre. Vous voyez, très très légèrement verdâtre, et c'est comme ça qu'on va arriver à positionner et savoir. Nos couleurs sur le cercle chromatique sur tous les bruns, c'est pas évident et on va mieux le voir euh, dans la prochaine étape où là je vais vous présenter une palette de nombreuses couleurs. Il y en aura beaucoup beaucoup ce qui va nous permettre de les comparer les unes aux autres. Voilà donc une palette de couleurs très complète et assez variée. Euh, ce ne sont pas les couleurs que j'utilise tout le temps au contraire même euh, moi je travaille toujours avec des palettes très réduites mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on va placer tout ça sur le cercle chromatique. Euh, il y a 18 couleurs. Je pourrais vous les nommer. Je vais le faire au fur et à mesure que je vais les regarder euh, et les positionner sur la roue des couleurs. J'ai différentes marques. J'ai du Arteza, j'ai euh, de Old Holland, de, de New Masters, euh, de la Golden. J'ai de la marque Wallax. Alors Wallax, je pense que ça, ça doit être... C'est un magasin qui a mis sa marque. Hein. Magasin d'Ottawa. Je pense que c'est du PBO. Ou non, pardon, excusez. Non, ça c'est du Triart. C'est fabriqué au Canada. Voilà, je pense que c'est pas mal ça, les marques que j'ai. Et donc, euh, alors on va y aller avec, dans l'ordre, hein, de gauche à droite. Ici, j'ai le jaune citron de chez Arteza. Le jaune citron, donc on pourrait le positionner pratiquement sur la couleur primaire. Voyez. Mais il est un petit peu plus verdâtre, très légèrement plus verdâtre. Il se situerait par ici. Et si on l'étend un petit peu sur le, le gris, si on le voit que ça, ça paraît un petit peu verdâtre. Donc ça se situe entre le jaune euh, primaire et un tout petit peu vers le vert. Donc ça, complémentaire, ça serait un violet très légèrement rougeâtre. Si je prends ici le jaune, euh, alors ça c'était le jaune citron. Là maintenant, c'est le jaune azo euh, clair de chez euh, Old Holland, jaune azo clair. Par rapport au jaune primaire, il serait un tout petit peu très légèrement vers l'orangé. Vous voyez, très très légèrement vers l'orangé. Donc lui, sa complémentaire, ça serait un violet très légèrement bleuté, très très légèrement bleuté. Alors ça, c'est du jaune euh, indien. Jaune indien euh, de chez Golden, alors c'est très transparent, puis c'est très orangé, comme jaune. Alors on pourrait avoir un jaune cadmium moyen, un jaune cadmium foncé, et on va s'apercevoir que ces couleurs-là s'en vont toujours vers le plus rougeâtre, vers le plus orange, et donc forcément les complémentaires vont s'en aller du violet vraiment vers le plus bleuté. Donc ici, le jaune indien, il se situerait où euh, Par rapport à l'orange, il pourrait être plus jaune ou plus rouge moi, je dirais, il est orange. C'est un orange foncé. Je le situe ni plus jaune, ni plus rouge. Il est vraiment à l'orange. L'orange, euh, vraiment euh, parfait. Mais il est foncé. C'est comme si dans l'orange, on mettait un tout petit peu de, euh, de noir, si vous voulez. Voilà. Donc, il fonce un petit peu. Attention, c'est pas vrai, en fait. Du noir, on ne va pas dire euh, euh, chimiquement, mais euh, physiquement. Parce que le noir, lui, c'est un pigment qui va modifier la teinte de l'orange. Il va la ramener verdâtre, c'est sûr. Donc ce n'est pas du noir qu'il faut rajouter dans de l'orange pour obtenir cette couleur-là. Pas du tout. Pour obtenir cette couleur à partir d'un orange sorti du tube, il faudrait mettre peut-être un petit peu de brun, un petit peu de, de sienne brûlée, et un peu de terre d'ombre brûlée. On va le voir, on va savoir pourquoi. Euh, le rouge ici, alors je, ça c'est du rouge de chez Arteza, Scarlet. Rouge Scarlet. Par rapport au, au rouge primaire, vous voyez, il est assez identique, peut-être un, peu, un tout petit peu moins violet, très très légèrement, mais il est très identique au, jaune, au rouge primaire qu'on a sur le cercle ici. Ça, c'est du rose, alors, cher ça. nous avons ici un. un pardon, c'est le rouge carmin, excusez-moi, rouge carmin. Alors, il est très rosé, hein, ce rouge carmin là. Euh, si vous prenez dans une autre marque, ça ne ressemble vraiment pas à ça. Vous voyez que ce rouge carmin là, je vais l'étendre un peu plus, il s'en vient vraiment près du violet. Il est très très proche du violet. C'est un violet. Euh, pardon, c'est un rouge violet. Rouge violet, très légèrement rouge. Il est entre le rouge et le rouge violet, mais beaucoup plus près du rouge violet. Alors, ça complémentaire à lui, bien, ça serait un jaune verdâtre. Euh, tout Petit peu plus vert, vous voyez à l'opposé, un tout petit peu plus vert que le jaune verdâtre. Alors là, nous avons l'ocre jaune de chez Arteza. On arrive dans les brunes, dans les terres. Vous voyez l'ocre jaune, donc par rapport à l'orange, il est moins en rouge, il s'en va plus vers le jaune. On se retrouve avec un jaune orangé. Hein, et même, je le trouve un petit peu plus verdâtre, si vous voulez, plus verdâtre parce qu'il s'en va vers là que le jaune orangé, je le situerai entre le jaune orangé et le jaune, Vous voyez? un tout petit peu vers le jaune, du jaune orangé un tout petit peu encore vers le jaune et on aurait la la bonne teinte. Et là encore une fois, il est plus foncé, hein? on parle de la valeur à ce moment-là. Donc l'ocre jaune, sa, sa complémentaire serait vraiment ici un, bio, un bleu violacé légèrement plus violet. Ici, nous avons la Terre d'ombre brûlée de chez Arteza. Alors, ça, c'est la Terre d'ombre brûlée. C'est très foncé, donc c'est plus difficile à positionner. Vous voyez, si on le compare à l'ocre jaune que je viens de, de, de présenter ici, il est un petit peu plus rougeâtre, un petit peu plus chaud. Voilà. Donc, ça serait peut-être de l'ocre jaune, simplement de l'ocre jaune. Vous voyez, parce que je ne peux pas le placer beaucoup plus, euh, plus jaune. Ou beaucoup plus orange. On pourrait faire un test en le mélangeant à du blanc. Alors en ajoutant un petit peu de blanc, très peu, à ma couleur, ça va me permettre de la voir plus pâle et de la situer un petit peu plus facilement sur le cercle chromatique. Je vais faire ça pour le terre d'ombre brûlé, je vais le faire aussi pour l'ocre jaune. Vous voyez, quand je vous parlais de l'orange précédemment pour l'ocre jaune, on est vraiment très proche. Un tout petit peu jaunâtre, un petit peu plus jaunâtre, ça fonctionnerait. Pour la terre d'ombre brûlée, vous voyez, c'est quand même assez grisâtre. Hein Alors c'est ça, si on s'en si on allait vers les oranges plus rouges, on tomberait dans quelque chose de plus saumon, de plus chaud, de plus rouge du moins. Alors que là, on s'en va plutôt à l'opposé, peut-être, une... c'est très difficile à dire, très difficile, mais on sait qu'on enfin, qu est dans les brunes, dans les oranges, pardon, on sait qu'on est dans les oranges, ça peut être plus rosé ou plus jaunâtre. Voilà, ici, euh, je vais remettre peut-être un petit peu plus de couleur parce que c'est sûr que le blanc, on le sait que ça casse la saturation de la couleur. ça plus, plus ah ben c'est vraiment ça rejoint ce que je disais au début c'est comme euh, l'ocre jaune mais un petit peu plus rougeâtre on s'en irait vers quelque chose d'un petit peu plus rouge enfin, peut-être euh, un orange ou euh, entre l'orange et le rouge orangé c'est euh, si vous voulez euh, c'est de l'orange qui a été déjà neutralisé avec sa complémentaire hein. et si c'était sa complémentaire ça serait plutôt euh, euh, quelque chose qui contient du rouge. Alors, soit l'orange contient plus de rouge, soit c'est le bleu qui va contenir plus de rouge. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers quelque chose d'un peu plus rouge à travers la terre d'ombre brûlée. Et là, on va voir avec la terre d'ombre naturelle, ici, euh, de chez Golden, la terre d'ombre naturelle qui est vraiment. Euh, c'est quasiment du gris, là. On est vraiment dans le gris. Un gris presque neutre. Et c'est là où on a vraiment de la difficulté à situer la couleur sur la cercle chromatique parce que. On n'est quasiment plus dans une couleur, c'est plus une couleur. Si on va vers le noir, vers le blanc, on se retrouve avec des gris. Les gris ne sont pas sur le cercle chromatique, les noirs, les blancs non plus. Et là, on a tendance à s'en aller vraiment vers quelque chose de très très gris. Alors c'est froid. C'est sûr que si, maintenant, je sais que c'est difficile de le situer, mais si je le compare aux autres bruns, bien lui, la terre de terre d'ombre brûlée est plus rougeâtre. Donc, si c'est moins rougeâtre, c'est moins rouge, donc ça s'en va vers le jaune. Hein. Si on est un brun, moins rouge, on va vers le jaune. Donc, la terre d'ombre brûlée, on la situerait vraiment vers un jaune, jaune-orangé. Vous voyez, au niveau des bruns, sa complémentaire, ça serait plutôt un violet bleuté. Voilà. Ça, c'est vraiment, si on avait un jaune de nappe, si on avait euh, euh, un ocre jaune, une terre de sienne naturelle, la terre de sienne brûlée, on l'a vu précédemment, si on avait vraiment. Euh, toutes les teintes de brun qui existent, le, le Van Dyke Brown, euh, euh, etc., on se retrouverait toujours avec cette difficulté de la positionner sur la roue des couleurs. Mais on peut toujours les comparer les uns aux autres et se dire, bon, bah, si j'ai besoin d'un brun rougeâtre, j'irai plus vers la sienne brûlée ou l'ombre brûlée. Si j'ai vraiment besoin que ce soit très froid, quasiment vers le verdâtre, eh bien, on s'en va vers la terre d'ombre naturelle, voyez. Et là, on, on sait maintenant vers quelle couleur on va se situer. Sur le cercle chromatique par rapport à, à la composition qu'on a ici. Alors là, j'ai du vert. Euh, ce vert là, c'est Golden. Euh, ah oui, Jen Jenkins, vert de Jenkins. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ma, ma boîte de peinture. Voilà, il est aussi très foncé. C'est un vert assez chaud. Alors, vu que c'est un vert chaud, il ressemble un petit peu au, euh, au vert euh, de vessie. Vous voyez, un vert chaud. Donc on va le situer. Alors, plus le vert s'en va vers les bleus, plus il refroidit. Plus il va vers le jaune, plus il réchauffe. On le situerait donc en, à peu près vers le vert jaune. Ici, le jaune verdâtre. Ensuite, ici, c'est le Viridian de chez Golden. Alors, ce sont des verts composés, c'est une composition de pigments. Alors, lui, il est vraiment plus froid. Vous voyez. Par rapport au vert normal de la roue des couleurs, je le situerai un petit peu plus bleuté, très légèrement bleuté, très légèrement. Bleu verdâtre. Et là, j'ai le vert euh, qu'on avait vu. Euh, ça, ça c'est le, euh, le vert phtalo de chez Le vert phtalo de chez Il est moins bleuté que celui-ci, que le précédent. Donc, c'est vraiment un vert. On va le retrouver euh, pratiquement euh, entre le bleu verdâtre et entre le vert, mais plus près du vert. Beaucoup plus près du vert. voyez oui. Ensuite de ça, ici, j'ai le bleu phtalo de chez Arteza. Alors, il est très foncé. Si on, mettait, si on mettait un petit peu de blanc, on verrait mieux sa couleur. Et là, on se retrouve vraiment avec une couleur très proche du bleu euh, cyan, bleu primaire. Regardez. Voilà, C'est quasiment le même. Je vais lui donner à peu près la même valeur. On se retrouve avec le même bleu que le bleu primaire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche. D'ailleurs, le bleu primaire, quand l'achète achète dans le commerce, il est fait avec du bleu phtalo. Ici, c'est le bleu euh, céruléen de chez Golden. Il est très proche du, euh, du bleu primaire aussi, le céruléen. Il y a peut-être une toute, toute petite tendance, très très légère tendance, un tout petit peu plus verdâtre, mais vraiment très très minime. Ensuite ici j'ai le bleu de Prusse de chez Golden. Très difficile à voir parce qu'il est très foncé. Je vais mettre un petit peu de blanc. C'est un bleu composé. Hein? C'est une composition ici, vous voyez. Je peux vous dire les pigments qu'il y a dedans. Je vais regarder ça. Il est très grisâtre. Il est très neutralisé. Voyez? Il est très proche du bleu phtalo. Euh, pardon. Oui, du phtalo ou du bleu primaire, vraiment très très proche, mais un petit peu plus gris. Mais il n'est pas plus verdâtre ni plus violacé. Je le mettrai bleu primaire. Vous voyez, mais il est grisâtre, il est neutralisé. Si je regarde sa composition, nous avons là-dedans, euh, c'est écrit où Ah oui, ici. Nous avons du PbK9, donc c'est du noir, du black, PbK. Du Pb15, alors ça c'est du bleu phtalo. Et du PV 13 violet. Il y a du bleu. il y a du noir, il y a du bleu, et il y a du violet dedans. Vous voyez. Alors le bleu phtalo, il fait un peu verdâtre. Le violet, il le ramènerait vers le violet, mais comme il y a le noir, ça le neutralise. Ça nous fait ce gris là. Si rajoutait plus de noir, on se retrouverait avec un gris de Payne quasiment. Ensuite, ici, j'ai le fameux bleu cobalt, donc. De chez Walax. Alors, vous voyez que par rapport. Là, je vais mettre du blanc un peu aussi. On va juste le pâlir. Par rapport au bleu de base, le bleu cyan, il est un tout petit peu, une toute petite teinte plus violacée. Très, très, très peu. Mais il ressemble vraiment, encore une fois, beaucoup aux autres bleus. Si on le compare plus par ici, on le voit, voilà. Vous voyez, si je le mets par-dessus les autres. Alors c'est sûr que comment ça va se voir à l'écran, ça je ne sais pas. Euh, moi je le vois ici, je peux vous dire ce que je vois, mais avec la caméra, l'écran, tout ça, il peut y avoir des, des modifications de, de balance de couleurs. Donc je le situerai en bleu primaire, mais un tout petit peu vers le bleu violet, très très peu, pas très loin là. En dessous de ça, j'ai l'outre-mer. Alors, le bleu outre-mer, lui, on le sait, là, il est violacé. Un petit peu de blanc dedans, on va le voir de suite. Vous voyez, il devient vraiment plus violacé. Donc, euh, on le situerait euh, pas mal dans le bleu violet. Je vais le mettre plus pur parce que mon bleu violet sur la roue, ici, est assez foncé. Je dirais même, il est très gris. Alors, ça serait entre le bleu-violet et le bleu. Voilà, entre les deux. Et là, j'ai deux violets. Alors, c'est intéressant parce que euh, j'ai un violet de Arteza qui s'appelle. Euh, euh, le Dramarine bleu, pardon, ça c'était Arteza aussi. Hein. Ok, j'ai un diox euh, Dioxazine pourpre. Ici, Dioxazine pourpre. De chez Arteza. On va mettre du blanc pour voir sa teinte. Le voilà. Et celui-là, c'est du pourpre. Pourpre de chez euh, TriArt. C'est fait au Canada. Alors, je vous disais précédemment que euh, le bleu cobalt ou à voilà, l'axe, c'est ça, c'est du TriArt qu'ils mettent là-dedans. Parce que le magasin est ici, à euh, Ottawa. Et le fabricant aussi voilà voyez on, on voit mieux la différence entre ces deux violets en mettant du blanc ils apparaissent mieux et on peut très bien voir que de ces deux violets donc ici c'est le pourpre de reotech de chez triart et ici c'est le dioxazine pourpre de chez golden entre les deux celui là il est vraiment plus rouge donc ce pourpre là c'est vraiment un rouge violet qu'on a ici voyez Tandis que celui-là, je vais en remettre un peu plus pour le rendre plus foncé, il ressemble vraiment, vraiment au violet qui se trouve ici. Le violet, donc, qui est la couleur secondaire sur la, la roue des couleurs. Alors que ça, c'est devenu, donc, une couleur tertiaire. Alors, si on voulait savoir quelle est la complémentaire de celui-là, ben, c'est le jaune, tandis que celui-là, c'est le vert jaune, le jaunâtre. Hein, ou le jaune verdâtre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se situer alors vous avez vu il y a beaucoup de on va dire de de proximité entre les couleurs surtout dans les bleus dans les verts et dans les terres mais il y aura toujours d'un bleu à l'autre une tendance plus verdâtre ou plus violacée ou bien vraiment qu'il est vraiment bleu pur, là. Euh, comme dans les verts, le vert va pouvoir être dans les plus chauds, les plus jaunes ou les plus froids, les plus bleutés. Et dans les terres, les terres vont être plus froides ou plus chaudes. On pourrait euh, résumer euh, la couleur dans les terres pour se faciliter le travail. Est-ce qu'il est plus chaud ou est-ce qu'il est plus froid S'il est plus froid, on va le ramener vers les verts, puisque le vert c'est la couleur froide, hein, vu que les bruns ils sont dans les oranges ici. Et s'il est plus chaud, on va le ramener vers les rouges. Par exemple, l'ocre jaune, qui est une couleur quand même assez chaude, c'est un orange, voire même, voyez, on est dans l'orange. Bon. Par rapport à cette couleur-là, la terre d'ombre brûlée ou la terre de sienne brûlée aussi, la sienne brûlée est beaucoup plus chaude, on la ramène un peu vers les rouges, alors que la terre d'ombre naturelle, elle est plus froide, on va la ramener vers les jaunes. Voilà. On va toujours pouvoir jouer comme ceci, euh, dans les plus chauds ou dans les plus froids, au niveau des bruns et des terres, comme vous pouvez acheter un jaune de Naples. Dans une marque, il va être plus chaud. Dans une autre marque, il va être plus froid. Vous voyez, le jaune de Naples, c'est une composition de couleurs qui est toujours assez euh, différente d'une marque à l'autre. On retrouve ça aussi euh, donc dans les terres de siennes naturelles, euh, terres de siennes brûlées. Alors, ça dépend de la composition, de la fabrication. Euh, on va changer comme ça légèrement, très légèrement. Et dans les verts, c'est pareil. On pourrait dire, bon, ben, ce verre il est plus chaud, il va vers les jaunes. Ce verre est plus froid, il va vers les bleus. Vous voyez et dans les rouges, il est plus orangé ou il est plus violacé. Et là, on va se retrouver avec des rouges plus violacés ou plus orangés, ce qui fait qu'on va pouvoir les positionner sur le cercle chromatique. Et à chaque fois qu'on a trouvé la couleur où elle se trouve, mon rouge il est plutôt orangé, donc ma complémentaire, ça sera un bleu plutôt verdâtre ou un vert plutôt bleuté. Mon rouge il est plutôt violacé, ben ma complémentaire, ça sera un vert mais plutôt jaunâtre. Voilà. Et comme ça, ça va être plus facile. Dites-vous toujours. C est, le rouge c'est plus orangé ou plus violacé, le bleu est le plus violacé ou plus verdâtre, les verts ils sont plus verdâtre, euh, plus bleuté ou plus jaunâtre, plus chaud ou plus froid, et les bruns ils sont plus froids ou plus chauds. Et voilà, on se retrouve toujours avec euh, une, un guide qui va nous faciliter vraiment la, la reconnaissance de notre couleur et sa position sur la roue des couleurs. Et lorsqu'on va faire de la peinture, ça va nous aider énormément par exemple si on veut refroidir des couleurs pour les éloigner les réchauffer pour les rapprocher on va pouvoir choisir plutôt tel bleu que celui-là plutôt tel vert que celui-là etc etc alors voilà pour certaines personnes ça paraît très compliqué ça paraît lourd ça paraît difficile à maîtriser pourtant c'est quand même assez simple il faut juste s'habituer à cette façon de voir toujours nos couleurs par rapport, à, par rapport à un cercle chromatique où elle se situe, par rapport à sa température de couleur surtout. Et comme ça, ça va aider énormément. Vous pourriez faire l'exercice, mettre les couleurs de votre palette exactement, celles que vous utilisez habituellement, et vous poser la question toujours, ce brun que j'ai là, il est plutôt chaud, plutôt froid, est-ce que je le rapprocherai plutôt euh, d'un jaune ou d'un orange ou d'un rouge sur la, la roue des couleurs Essayez-le, faites-le, puis... Euh, Comparez vos couleurs l'une par rapport à l'autre, et ça va vous aider énormément, puis essayez de, de le retenir, de vous dire, bon ben là, là mon ocre jaune, lui, euh, il est plus chaud que mon jaune de Naples, ma, ma sienne brûlée, elle est plus chaude que ma, mon ombre brûlée, ma terre de sienne naturelle, elle est un petit peu plus chaude ou plus froide que mon ocre jaune, parce qu'il y a très peu de différence entre les deux, ça se ressemble énormément, et là encore, selon les marques que vous allez avoir. Euh, Peut-être euh, l'ocre jaune plus chaud que la sienne naturelle, ou inversement. Ça peut arriver que ce soit l'inverse, parce que c'est vraiment des couleurs qui sont très proches l'une de l'autre, comme les jaunes de naples aussi, peuvent être très, variants, euh, très variables d'une marque à l'autre. Voilà, donc je, je pense, j'espère, vous avoir montré un peu la, la bonne méthode pour les situer, les reconnaître. Et puis euh, j'espère que ça va vous aider euh, dans votre façon de peindre, dans votre réalisation de tableaux, de peinture. J'espère que cette petite vidéo vous apportera quelque chose. En tout cas, ça m'a été demandé, ça a été posé comme question et j'espère y avoir répondu avec satisfaction. Alors, euh, n'oubliez pas, si euh, vous voulez, vous pouvez télécharger les guides, les six fiches guides pour le mélange de couleurs en cliquant dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et surtout de la partager sur les réseaux sociaux. Euh, un immense merci. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.